Et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 9e épisode de notre aventure sur SimCity Buildit. Donc, comme vous l'avez vu, je pense, et ben je vous l'avais dit, plein de ressources. On a 85 matériaux et 74 000 simoufles, 162 billets. Et c'est là que vous vous dites, mais comment il a fait pourtant, voilà. C'est très simple, je suis allée dans plus, au billet. Et après, j'ai découvert que tous les jours, toutes les 24 heures exactement, on avait un bonus quotidien et qu'au bout d'un nombre de coffres, et ben on a un coffre en or qui nous donne d'excellents matériaux, beaucoup d'argent. Donc tous les jours maintenant, je prends le coffre, ce qui fait ben, que vraiment ça monte assez vite. On va le prendre aujourd'hui, le coffre. Voilà, donc c'est gratuit. Regardez tous les matériaux qu'on a dans un seul coffre. Donc vous imaginez bien que quand on en ouvre plein d'un coup, et ben, enfin plein à la suite, ça fait beaucoup. Donc on va améliorer et ben, un peu la ville là. On va vraiment. Là, je vais faire tout ce que je peux pour parce que j'ai beaucoup trop de matériaux. Regardez le nombre que j'ai de planches de bois. C'est vraiment exceptionnel. Voilà. On va améliorer comme d'habitude, hein, mais là on va vraiment faire un max d'amélioration. Vraiment, il faut que je vide mon entrepôt, il est même plein, vous vous rendez compte. On va récolter les impôts comme d'habitude, rien de nouveau. Donc là. Ouh là là, on a l'immeuble qui veut s'améliorer, on va tout de suite le faire. Et là, vous vous dites aussi que bon, après au niveau des matériaux, ça va, et vous vous dites, mais après on va devoir, mais vu tout l'argent qu'on a, je pense qu'on aura largement assez pour investir pour l'électricité. On va déjà améliorer les autres immeubles en priorité. Voilà, on voit bien que c'est des grosses constructions. C'est vraiment abusé là, je sais pas le nombre là de trucs qui se construisent. Et voilà, niveau supérieur, c'était obligé. Donc, est-ce qu'on a débloqué des trucs? On a débloqué les eaux usées. Ah ben c'est parfait ça. Donc ben, bien sûr, on débloque tous les matériaux, tous les bâtiments ben, qui vont avec. Pas mal du tout ça. Station d'épuration, marché primeur, tiens, voilà, c'est le bâtiment. Donc on débloque vraiment beaucoup de trucs. Et là, est-ce qu'on va avoir un gratte-ciel dans la ville? C'est la question. 3 méga gros trucs. Déjà là, le ministère dit un truc, on va voir ce que c'est. Alors les eaux usées, ben oui, ben, c'est sûr qu'il faut bien les mettre à un endroit. Donc on débloque les eaux usées, un nouveau service, c'est super quand même. Donc oui, bah, il faut quand même créer des trucs. Est-ce qu'on va acheter un méga truc pour toute la ville? Bah, je pense qu'on va faire ça. Ouais, on va faire ça. Hein, parce que là, on a une grande ville. Je sais pas du tout où on va le mettre par contre. Hein. Bon, pour l'instant, on va le mettre là, même si ça gêne un peu les habitants, hein, tout simplement. On voit bien quand même, c'est bien fait. Les eaux, je sais pas si vous voyez tous les points. Hein, ouais, quand même, il y avait beaucoup d'eau usée. Heureusement qu'on a investi dans un gros truc. En plus, je trouve qu'il est joli, les autres sont moyens. On a une mission en cours, la vente d'objets. Donc dépenser, ben ça c'est fait. Il faut vendre des objets et gagner grâce. Ça c'est assez facile, on va le faire je pense. Plus tard, hein, parce que là on garde les matériaux pour améliorer notre ville. Et
Ah, on a l'air d'avoir un succès, je pense que vous l'avez vu aussi. Et avoir 5000 habitants dans... Eh ben, ça y est, on commence à avoir beaucoup d'habitants. On va bientôt, je pense, débloquer le port, peut-être. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est assez facile de gagner des billets. Et voilà. Regardez, on a notre premier gratte-ciel, on va dire un peu. Je sais pas comment dire, immeuble ou gratte-ciel, tour, bon, c'est une tour. Peut-être pas un gratte-ciel, mais on a quand même un grand bâtiment là. Et ben là, on en a un par contre. Ouais, là, je suis super content. On a vraiment une ville en développement, mais c'est impressionnant. Là, je pense qu'on va créer le marché primeur là. Voilà. Elle coûte 5000, mais on va bien le faire quand même. On va le mettre ici. Voilà, au moins il est là, c'est bon. Et par contre, je vous le dis franchement, je suis vraiment étonnée qu'il n'y ait pas de problème encore d'électricité et d'eau. Bon, c'est bien, hein, on avait de la marge. On va améliorer tous les bâtiments assez gros pour créer des gros bâtiments encore plus gros. Ouais, je dis beaucoup gros là. Et ça y est, on commence vraiment à avoir pas mal de trucs. Ah ouais, les toilettes marchent. Ben, tant mieux pour toi. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Ben, il faut continuer de construire de toute façon. Là, on va le faire. Et voilà, donc la petite construction. Et on peut encore construire des trucs. Je sais pas quoi faire là. On va améliorer lui. Désolé. Mais on peut en plus améliorer l'autre, donc on va le faire. Voilà. Ici aussi, on a vraiment les graines. Heureusement que j'en avais eu grâce aux caisses parce que il en faut là quand même des graines, hein, on en a beaucoup. Magnifique. Et on a une zone résidentielle qu'on peut créer. Bon, on va le faire. Et voilà. Non mais je suis mais impressionnée. Encore un succès de débloqué. C'est impressionnant. C'est juste ça. Je construis mes masses. Là, c'est... Là, je sais pas, dans cette vidéo-là, pour ce 9e épisode, on va améliorer notre ville comme je sais pas quoi. Je sais même pas quoi mettre comme titre de vidéo. C'est impressionnant, là, tout ce qu'on fait. Et 6, bah, on a... Et voilà, bah, là, on a beaucoup de trucs. Et voilà. On a les 8000 habitants. On a réussi tous ces succès. Je suis très, très heureux, là. Très content. Et là, qu'est-ce qu'ils disent? Besoin, on va voir. Attendez, on va voir ce qu'ils nous disent. Afficher. Alors, ils veulent qu'on appuie. Et mais on a débloqué en plus l'entrepôt commercial. On va enfin pouvoir vendre des objets qu'on n'a pas besoin. Et vraiment, là, je suis content. On va pouvoir faire comme Daniel. Hein. C'est pour ceux qui savent pas, c'est notre ami là qu'on a automatiquement. Terminé. On a terminé une mission. Ah oui, c'était le truc de l'entrepôt. Oui, je pense que vous vous en souvenez. On avait vu ça dans l'épisode précédent. Ou dans celui d'avant, cette mission, bah, c'est fait. On va prendre la récompense surprise dès maintenant. Et encore de l'argent et des objets. Toujours plus. Par contre, là... ouais, on a vraiment plein d'immeubles. En tout cas, je pense qu'on va s'arrêter là. Pour cet épisode-là, je pense qu'on va déjà lui donner, parce qu'il y a une mission où il faut donner des trucs, donc on va le faire. D'habitude, je le faisais pas.
Voilà. Là aussi. Non, quand même, on va les garder, les planches, c'est assez rare. Bon, non, allez, on leur donne. En cours, ben, on va voir ce que c'est. Plus que trois trucs, bon, on les fera dès qu'on peut pour avoir la mission, je pense. Je pense que ce sera dans le prochain épisode. Il y en a une zone résidentielle, je la mettrai plus tard. Peut-être quand même créer une route. Je pense qu'on peut. Oui, on peut créer une route, on va le faire. Voilà. On va la mettre jusqu'au bout. Non, je veux pas ça. Mince. Voilà. Parce que oui, on va mettre la station d'épuration plus loin. Parce que bon, c'est pas très hygiénique tout ça. Voilà. Et là, on va enfin pouvoir le déplacer, je pense. Et ben voilà, on a enfin notre station des eaux usées loin de la ville. Au moins, les habitants n'auront pas d'odeur. Bon, je pense qu'on pouvait investir hein, dans quelque chose d'assez gros et conséquent, parce qu'on avait de l'argent. Autant prévoir gros et au moins on n'aura plus à se soucier. Parce que si on aurait mis des petits, je pense qu'on aurait dû en créer pas mal. Donc ça vaut le coup tout ça. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour ce 9e épisode. En tout cas, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Ben, si c'est le cas, un max de likes. N'hésitez pas à mettre un commentaire et surtout à vous abonner pour plus de contenu. Et on se retrouve les amis comme d'habitude à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et moi je vous dis à plus.